Dieu, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait au cours de cette semaine dans nos vies. Merci pour les bénédictions, la restauration, les guérisons. Merci parce que tu es Dieu. Ton nom est Jéhovah Shabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Jéhovah Sikenu, l'Éternel qui est ici. Et merci d'honorer de ta présence, notre Dieu. Merci parce que nous sommes convaincus que nous serons bénis. Merci au travers de cette présence. Et nous te rendons toute la gloire parce que tu es puissant et tu es vivant. Merci de nous bénir. Je m'entends dans les creux de ta main. Utilise ma personne et bénis chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous bénisses. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous assistes. Merci de le faire. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Venez t'asseoir. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Tu n'entends pas parler. Amen. Tu es béni. C'est bon de faire les cultes. Amen. Amen. Tu vois, les dimanches, il y a des gens qui viennent. Oh, la vie déclare qu'il a fait d'une chose au mieux que son commencement. Vous venez samedi, vous partez dimanche. C'est pas, dimanche matin, c'est pas bon. La fin d'une chose au mieux que son commencement. Dis à quelqu'un, tu es béni. Ça va commencer à aller, d'accord. On l'avait détruit sur le plan mystique. C'est ça, finira. La grande sœur, elle est toute aux funérailles, il revient à tous les problèmes, il ne fait pas marcher. Donc j'ai demandé au bien-aimé d'être là pour que Jésus puisse opérer son miracle. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Il y a quelqu'un, notre Dieu est le Dieu des miracles. J'ai dit, si Jésus ne faisait pas miracle, j'allais même pas croire à l'évangile. Ça ne me disait rien, l'évangile de Jésus. Jésus ne me disait rien. La fête de Noël ne me disait rien. C'est une fête que vous célébrez, parce que je suis né dans une famille musulmane. Ma mère est peu malienne, mon père était bêté de gagnoir. Les musulmans, ils étaient. J'étais coincé quand Jésus-Christ a opéré mon miracle. Je ne finis pas croire en lui. On ne parle du paradis et l'enfer, ça ne m'intéresse pas. C'est quand j'ai vu le miracle de Jésus, j'ai dit c'est lui le Seigneur. Amen. C'est lui là. Seigneur, A plus B, il est vivant. Amen. Je ne peux pas suivre un Dieu qui est mort et qui ne peut pas répondre à mon problème quand je suis dans les difficultés. Et on me dit la religion, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis maintenant souffrant. Et d'autres hommes, pourquoi vous courir derrière un miracle? On va courir derrière qui quoi? Derrière un pasteur? Ou derrière une église? Ou derrière une mosquée? Excusez-moi, je ne blâme pas les religions. Le Dieu, il est vivant. Alors s'il est vivant, il faut qu'il se démontre, qu'il se révèle à nous. C'est pour ça que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Amen. Ils verront les miracles. Amen. Une église qui ne fait pas des miracles, c'est que Dieu est absent de cette église. Amen. Et ça, c'est la vérité. Là où Dieu ne se manifeste plus, c'est qu'il est absent. Parce que quand Dieu est présent, il résout les problèmes. Nous avons des problèmes en tant qu'humains. Amen. Nous avons des problèmes. L'environnement, mais il y a des problèmes de maladies avec la poussière, avec tout ce que nous vivons.
et puis à la sorcellerie qui se manifeste encore. Nous avons les soucis. Oui, venez à l'église, ok, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que Dieu fait quand je viens à l'église? Qu'est-ce que Dieu fait quand je suis dans sa présence? Il faut qu'il me démontre, c'est vrai que nous sommes pécheurs, ok, mais Dieu fait quoi? Me démontrer qu'il est vivant pour augmenter encore ma foi. Or là où il y a la foi, la crainte, tu commences à avoir la crainte. Quand Dieu commence à agir dans ta vie, tu commences à avoir plus sa crainte. Quand il ne se manifeste pas, mais tu lui tournes dos. Tu as quelqu'un, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Tu crois à ça? Amen. Je suis prêt pour cette année, je suis prêt pour affronter beaucoup de choses. Amen. Je sens une force. Voilà, elle va planter pied. En même temps que Dieu va te bénir dans le domaine de la construction. Sur cette terre, tu seras béni. Et ton investissement, ça serait dans le domaine de la construction. C'est là que va venir ta richesse. Dieu t'a guéri. Attends, marche. Marche.
C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh là là. C'est fini, va t'asseoir. Dieu est un Dieu de miracle. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu de miracle. Viens avec moi. Ça va? Tu peux venir, Martin? Tu peux? Tu peux? Pendant 10 ans, cette dame est restée paralysée. Prenez-y, la voici. Elle est restée pendant 10 ans paralysée. Et sa grand-mère qui l'avait coignée en sorcellerie, elle ne pouvait pas marcher. Elle prenait des gens pour appuyer. Elle s'appuyait sur les gens pour marcher. Vous l'avez vu dimanche passé? Même ici dimanche. Vous l'avez vu dimanche ici? Tourne comme ça. Mais il est fort, Jésus. C'est pour ça que je le suis. Amen. Il a dit, ah, Jésus est fort. Hein. Amen. Si Jésus n'est pas, il est fou que lui. Il faut quoi avec quelqu'un qui n'est pas fort? Je suis malade ou bien? Je suis quelqu'un qui n'est pas fort. C'est la puissance de Dieu. J'ai dit à la dame, j'ai dit, reste là, ne bouge pas parce que je sens qu'il y a une notion particulière que tu vas déposer sur toi au bout de la semaine. Amen. Elle dit qu'elle était là, elle a senti que il fallait faire des efforts. Oui, mais c'est ça, c'est ta part. Il dit, lève-toi et marche. C'est-à-dire, ta part, c'est de te lever. C'est pas Dieu, lève-toi. Donc, elle a commencé à prendre le bois. Et c'est un processus. Ça a commencé. Or, la médecine dit que ces deux os, c'est-à-dire le fémur, ces deux fémurs, sont broyés. C'est mangé, elle ne pourra plus, c'est fini pour elle. Ça, c'est ce que la médecine a dit. Mais le plus grand scientifique, c'est Jésus. Amen. Oui, chez lui, l'impossible n'existe pas dans le langage de Dieu. Impossible, ce n'est pas dans le langage de Dieu. C'est ça qu'il faut croire. Amen. Il faut croire. Ça va? M'aimez bien. C'est ça, ça va. Ça va tout le temps, étant tout le temps plein. Elle ne pouvait pas arrêter, s'arrêter seule comme ça, si elle. Non, non. Elle ne peut pas s'arrêter comme ça. On fait qu'on attrape comme ça, c'est ça? On appuie. Mais vous l'avez vu dimanche passé, non? Ils l'ont soulevé pour l'envoyer ici. Ah, même s'arrêter. Ah! J'étais prêt à demander aux gens, donnez-la une chaise. Ce qui est intéressant, c'est la dernière fois quand il m'a hasardé, quand il me regarde les quatre ses yeux, comme s'il fait pitié pour que je m'occupe d'elle. C'est ça m'intéresse pas. Oui, moi je ne suis pas si vos sentiments. J'attends le ok de Dieu. C'est ça qui ne me mettait pas une pression. Laissez Dieu faire. Quand je vous dis Dieu va le faire, il va le faire. Amen. Il suffira. Quand je dis Dieu le fait, faut croire ça. Elle écarte ses yeux, elle tourne. C'est comme le prophète. Il n'a pas pitié. Je te voyais écarter tes yeux, tu me regardais. C'était difficile pour toi. Hein? C'était difficile. Elle est où même? La mangeuse dame, elle a Zaroko. Elle a Zaroko. Vous allez voir que jusqu'à dimanche, c'est fini, ces petits trucs seront ok. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ami, quand tu la vois, hein? Nyamie yo amo! Nyamie yo amo! Thank you.
déjà trouvé quelqu'un qui a dit madame. Amen. Oui, elle ne pouvait pas faire ça encore. Donc ça a commencé. Le miracle de Dieu sera parfait. Parce que quand il commence, il achève. Amen. Elle a compris que Dieu est dedans dans ce qu'il est en train de faire. Tu acclames Jésus. Nous sommes habitués au miracle de Dieu. Nous sommes habitués à ça. Parce que Jésus est vivant. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Qui croit à ça? Amen. Amen. Crois à la puissance de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer, s'il te plaît? Je n'ai pas l'habitude de venir en retard comme ça. Hein. J'ai livré un combat toute la nuit avec les esprits de Mamie Ouattara. Celle-là, c'est la plus grande sorcière. Elle est une des plus grandes sorcières de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un élément, c'est celle-là, un élément important de Satan. Donc, on l'a capturé là. Je sais ce que j'ai vécu cette nuit. Comment les esprits m'ont attaqué cette nuit, comment j'ai vécu, j'ai gagné le combat. Moi, j'ai gagné. Jésus. Amen. Jésus m'a attaqué. Parce que j'ai une force de Dieu à boire. Amen. 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 C'est comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Amen. Mais l'essentiel, c'est que Jésus est Seigneur. Amen. Il m'a donné la vie. Amen. Madame, ça va? Allez, laisse bébé, s'il te plaît.